près de la plage, je crois que je suis arrivé pour m'installer. Plein d'années, je veux pas le trône, je voudrais perdurer. Je vois plein de personnes se mettre à s'exclamer sur le fait que je fasse du rap, c'est le moment de constater. Je voudrais combattre la cernie, je m'entends dans mon être, je suis d'une pas me faire des ennemis. Hey. Tous les soirs je revois mes classiques, pour tirer mes conseils en attendant que Olaï sonne. Un peu de fierté dans un couple, c'est la merde. Tu sais que tu viens de loin, si tu te relèves quand tu perds. Je reste dans... Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis si t'es content, lâche-moi un pouce bleu. Hello, toujours Irritor. Vous avez bien remarqué, avant le générique, un petit bout de clip. Et ce que vous avez reconnu aussi, l'artiste, c'est Nojo. Voilà, c'est Nojo. Nojo nous sort un clip ce vendredi, là. Voilà, mon artiste Nojo. Il nous sort un clip, Old School 2. Voilà, Old School 2, ce vendredi à partir de 18h. Donc, son lien est dans la description. Allez vous abonner. Et vous allez juger encore ce nouveau titre là, de son album de 8 titres. Voilà, c'est pas de l'amusement, c'est pas de la blague. Vous avez écouté un peu, quelques flows, quelques vers de, on va dire, de ce morceau là. Vous allez plus mieux le juger ce vendredi à partir des 18h. Donc son lien est sous cette vidéo là. Allez et abonnez-vous, rendez-vous à 18h. Nojo sort Old School 2 à 18h vendredi. Vous avez bien remarqué aussi le titre, c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fidèles. Même si Rito vient bailler, ils vont venir m'écouter parce qu'ils aiment bien ma tête. Ben, il y a trois sujets dans la vidéo. Ibawan, encore Drogba et on va dire quoi encore, Enatis dans le temps, qui était l'une des plus belles voix du coupé décalé. Voilà, ceux qui connaissent bien le coupé décalé vont pas discuter ce que je suis en train de dire. Parce que même Mix, Papa la Mélodie, c'est de qui je parle. Voilà, il s'agit d'Arenzo. Voilà, donc on va parler un peu d'Arenzo. Voilà, parce que vous devez vous apprêter, il signe son grand retour très bientôt. Très bientôt. Il était là, mais il était en pause. Voilà, Arenzo Gigi. Bref, je préfère commencer par Ibawan. Voilà, Ibawan, c'est avec un pincement au cœur que je vais me prononcer sur le cas Ibawan. Parce que vous savez très bien que ça fait, je crois, quelques jours déjà que nous avons commencé le jeûne musulman. Et vous savez qu'au thème du jeûne musulman, il y a une fête qu'on appelle le Ramadan. Et au lendemain du Ramadan, Ibawan doit normalement donner un gros concert. Un gros concert qui va réunir au moins 60 000 personnes au stade du 26 mars. Et ce concert-là, franchement, je pense que est dangereusement menacé par cette pandémie du Covid-19. Malheureusement. Et si je fais cette vidéo là, c'est pour appeler tous les gladiats à être réalistes. On souhaite, franchement, hein, on souhaite qu'il y ait de la magie. On souhaite un miracle de la part de Dieu concernant ce concert là. Parce que franchement, je vous avais promis que j'allais être là. J'allais faire le déplacement vers le Mali pour fêter avec l'artiste Ibawan et tout. Mais vu les choses, franchement, c'est pas bon. Pourquoi je vous dis c'est pas bon? Même s'il y a des confinements, ce déconfinement sera progressif. C'est-à-dire, ils ne vont pas accepter ce genre de rassemblement-là. Voilà, déjà qu'on parle de 50 personnes par rassemblement, ça va parce qu'il y aura déconfinement que l'État malien va accepter de voir réunir plus de 60 000 personnes dans un stade. Franchement, ce sera compliqué. Ce sera vraiment, vraiment compliqué. Et je ne pense pas que ce soit chose facile. Voilà, c'est triste de le dire, mais franchement, il faut toujours prier. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Puisqu'on sait que Ibawan est un artiste très béni, ça peut se passer, ça peut se passer, ça peut se passer. Voilà, ça peut arriver que, pas extraordinaire, le concert ait lieu. Mais moi, dans ma tête, pour moi, c'est déjà mort. Voilà, c'est déjà mort. Et j'aimerais qu'on se concentre sur l'album de l'artiste, l'album Empire d'Ibawan. Je préfère qu'on se concentre dessus. Et comme je vous ai dit, commencez à cotiser votre argent pour acheter l'album. Parce que tout fan de l'artiste se faisant appeler Gladia doit avoir obligatoirement cet album-là. Il est presque fini. Il est presque fini et puis il sera plus que lourd, honnêtement. Donc, le stade du 26 mars, pour ma part, c'est mort, honnêtement. Je ne le dis pas avec fierté, je le dis avec beaucoup de regret, mais hein, je suis réaliste. Voilà, je suis vraiment, vraiment réaliste parce que vous connaissez Ibawan. C'est quelqu'un qui lève une foule, il déplace des foules. Donc, ils ne vont pas accepter ça.
peut-être en 2021, je crois, qu'il va remettre le couvert, mais actuellement, là, c'est mort. Donc, on se concentre pour l'album et puis on lui donne son disque d'or. Ce sera une manière à nous de pouvoir, on va dire, étancher cette douleur. Parce que c'est une grosse douleur de ne pas pouvoir faire ce concert-là. Parce que je sais que l'artiste y tient. Il a envie de se réunir avec ses fans dans ce stade mythique du Mali-là. Et à cause du coronavirus, ce sera vraiment quelque chose de difficile. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était ça, la Lucane, truc Iba One. Maintenant, on va parler d'Arenzo DJ. Oui, Arenzo DJ. Qui sont ces abonnés-là? Mes abonnés-là, parmi vous-là, qui sont ceux qui connaissent Arenzo DJ? Voilà, Arenzo DJ, c'est l'artiste qui a fait fort dans le temps avec Mix sur le morceau d'Afo Love. Avec, il y avait des chants là, j'ai oublié le nom de ces chants là. Bref, ceux qui connaissent Arenzo savent de quel groupe musical chrétien je parle. En tout cas, c'est un artiste qui a fait très fort. Il a même chanté un morceau avec un groupe là, Kalizam, où il chantait « Elle m'a rendu poète, c'est le pour qui je fais cette lettre, elle est si belle plus que merveilleuse. » Ceux qui se rappellent d'Arenzo vont se rappeler de cette chanson-là. Donc cet artiste-là, franchement, m'a fait écouter un truc. Voilà, il revient sur scène bientôt. Parce qu'il y a certains artistes qui se targuent d'avoir la plus belle voix du coupé décalé. Mais franchement, il vous dit une vérité aujourd'hui, c'est parce que cet Arenzo-là, on va dire, a trop vite vu son succès estompé, sa cause de ça. Sinon, voix. Les puristes du coupé décalé savent de qui je parle. C'est pas petit artiste. Voilà, c'est pas petit artiste. Et il signe bientôt son grand retour. C'est affaire de Corona là qui est en train de ralentir ça. Donc, je vous prie de vous apprêter. Je vous prie de vous apprêter. Je parle de Arenzo DJ. En tout cas, bon, je ne peux pas chanter comme lui, mais vous voyez un peu de qui il est en train de parler. Il m'a fait écouter. C'est un truc. Depuis, c'est beaucoup. Hein. C'est quand il sort comme ça, là, franchement, il va déranger. Voilà, il va déranger. Il chante comme Mix, carrément. Voilà, ils ont à peu près le même thème vocal, mais franchement, vocalement, je l'apprécie plus que Mix. Je ne dis pas que Mix n'a pas une belle voix, parce que vous, quand on parle français, vous comprenez ça autrement. Vocalement, seulement, je l'apprécie mieux que Mix, parce qu'il est dangereux. Il est vraiment, vraiment dangereux. Et bientôt, vous allez l'entendre. Voilà, il n'y a pas être trop long sur lui. Mais en tout cas, attendez-vous à Arenzo, juste après le confinement. Voilà, juste après cette histoire du coronavirus-là. Vous allez entendre. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, parlons de l'avarisme de Didier Drogba. Hey, Seigneur Jésus. Ko Drogba est avare. Ah! Donc, si je comprends bien, comme l'artiste, ce n'est pas un jeteur, comme on le dit à Abidjan ici, ce n'est pas un travailleur. Ça veut dire qu'il est avare. Ah! Mais bizarrement, quand on dit, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller là. C'est ce qui est en train de se passer. Les gens ont commencé à témoigner. Il paraît même que Beno aurait déjà reçu 5 millions avec lui. Je ne confirme pas l'information. Il y a même Anou Jaguar qui a fait un direct qui a dit que Drogba lui avait donné un chèque pour pouvoir, on va dire, créer son label pour aider les nouveaux talents. En tout cas, franchement, hein, Drogba tient vraiment à voir. Je ne sais pas, bon, si tu prends crédit ailleurs pour pouvoir aider toutes ces personnes que tu aides dans l'ombre, mais franchement, je trouve que c'est méchant de te traiter d'avare. C'est très méchant même. Mais Dieu ne dort pas. Et c'est que face à cette méchanceté-là, s'il n'y a pas de combine, parce que je sais qu'on ne parle pas dans les oreilles de sous. Voilà, c'est des gars, c'est vrai. Peut-être qu'ils estiment que tu les as pas approchés. Mais malgré ton avarisme, là, nous on sait que tu vas gagner cette présidence-là. Moi, je suis confiant. S'il n'y a pas de combine, en tout cas, s'il n'y a pas de corruption, s'il n'y a pas de trucage, je sais que ces présidents de club, ces présidents d'association là, même ces anciens joueurs là, ils vont réfléchir et puis ils vont te voter. Et puis tu as gagné. Là, on va bien voir clair dans ton avarisme là. Mais en tout cas, merci pour toutes ces personnes que tu es dans l'ombre. Et tu fais bien. Tu fais bien. Voilà. Ils n'ont qu'à dire que tu es avare. Nous, ce n'est pas ça le débat. Le débat là, nous, on veut que tu sois président de la FIFA. C'est ce que la Côte d'Ivoire veut. Même si on ne peut pas voter là. Je pense que notre voix, nos bruits là, peuvent quand même toucher le cœur de ces derniers qui votent là pour qu'ils puissent te voter massivement.
Voilà, on a besoin d'un joueur à la tête de la FIFA. Et tu es le mieux placé au regard de tes relations, de ton influence et on va dire de tes relations. Drouba, président de la FIFA, même si tu es avare. Voilà. Ciao, ciao les amis, donc je vous laisse.